Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce sur la nouvelle map zombie Der Eisendrache. Donc une astuce dans laquelle je vais vous montrer comment améliorer le déboucheur, mais ceci de façon momentanée, vous allez le voir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vous rappelle rapidement comment crafter le déboucheur. Il vous suffit de mettre l'horloge sur 9h35 à l'aide de vos DG4 et de vous téléporter afin de récupérer le déboucheur dans l'espace-temps. Donc on a déjà réalisé une petite vidéo à ce sujet, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc une fois que vous avez ce déboucheur en main, je vais pouvoir vous expliquer concrètement comment l'améliorer. Alors dans un premier temps, il faut savoir que cette amélioration n'est possible pour le moment qu'à partir de 2 joueurs. Je ne sais pas précisément si cela fonctionne avec 3 ou 4 joueurs, je n'ai pas testé personnellement. Et cela fonctionne à partir de la manche 20, c'est-à-dire à partir des manches où vous allez avoir les doubles panzers qui vont spawn dans la map. Donc une fois que vous êtes arrivé à la manche du panzer, lorsque le premier panzer est arrivé, l'un des deux joueurs va devoir l'éliminer de la façon traditionnelle ou de la façon qui lui plaît, à savoir que le dernier joueur qui va lui mettre une balle, donc celui qui concrètement va éliminer définitivement le premier panzer, va être celui qui va pouvoir améliorer son déboucheur. Donc vous remarquerez que lorsque le joueur qui a éliminé le dernier, le panzer, met un coup de déboucheur, celui-ci comporte une flamme. Il a donc subi une amélioration et il faut savoir que cette amélioration est temporaire, elle va durer au total environ 1 minute et elle ne va être disponible que pour le joueur qui aura éliminé le panzer malheureusement. Donc une amélioration temporaire qui va vous permettre de one-shot le second panzer et qui sera donc à recréer lors des prochaines manches de panzer. En revanche, je ne sais pas jusqu'à quand cette amélioration peut durer. Est-ce qu'elle one-shot les panzers jusqu'à la manche 100 et au-delà? Je ne sais pas du tout. Je n'ai encore personnellement pas testé. Donc je vous invite à me donner des infos dans les commentaires si vous en avez. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, commenter, liker, partager. Bref, comme d'hab, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao tout le monde!